Unité 6. Les jeux et les sports. On dit sport et partage d'expériences. Semaine 30 et 31. Au cours d'une fête sportive, un champion marocain aux Jeux paralympiques raconte son expérience à de jeunes enfants. Voici son écrit. Quand j'avais votre âge, je jouais au lancer de poids au sein d'un club et je m'entraînais pour une épreuve de sélection. Un jour, j'ai été renversé par une voiture. Par malheur, je ne suis pas parvenu à remarcher. J'étais très triste et je ne voulais plus entendre parler de sport. Mais mon médecin et mon entraîneur m'ont parlé du handisport, sport pour personnes en situation de handicap, et encouragé à reprendre l'entraînement. D'abord, c'était difficile au début. Ensuite, chaque jour représentait un combat pour améliorer mes lancers de poids et ma maîtrise du fauteuil roulant. Enfin, j'ai repris ma confiance en moi et j'ai fait des progrès. Ce qui m'a donné beaucoup de motivation, c'est la réussite d'athlètes marocains au niveau national et international, malgré leur handicap comme Amin Chentouf, Najwa Awan, Asdin Nouiri. Avec beaucoup d'entraînement et de courage, j'ai réussi à mon tour au lancer de poids et au basket. J'ai remporté des médailles, fait un record du monde et représenté mon pays dans les différents Jeux paralympiques. Unité 6. Les jeux et les sports. On dit sport et partage d'expériences. Semaine 30 et 31. Au cours d'une fête sportive, un champion marocain aux Jeux paralympiques raconte son expérience à de jeunes enfants. Voici son écrit. Quand j'avais votre âge, je jouais au lancer de poids au sein d'un club et je m'entraînais pour une épreuve de sélection. Un jour, j'ai été renversé par une voiture. Par malheur, je ne suis pas parvenu à remarcher. J'étais très triste et je ne voulais plus entendre parler de sport. Mais mon médecin et mon entraîneur m'ont parlé du handisport, sport pour personnes en situation de handicap, et encouragé à reprendre l'entraînement. D'abord, c'était difficile au début. Ensuite, chaque jour représentait un combat pour améliorer mes lancers de poids et ma maîtrise du fauteuil roulant. Enfin, j'ai repris ma confiance en moi et j'ai fait des progrès. Ce qui m'a donné beaucoup de motivation, c'est la réussite d'athlètes marocains au niveau national et international, malgré leur handicap comme Amin Chentouf, Najwa Awan, Asdin Nouiri. Avec beaucoup d'entraînement et de courage, j'ai réussi à mon tour au lancer de poids et au basket. J'ai remporté des médailles, fait un record du monde et représenté mon pays dans les différents Jeux paralympiques. Unité 6. Les jeux et les sports. On dit sport et partage d'expériences. Semaine 30 et 31. Au cours d'une fête sportive, un champion marocain aux Jeux paralympiques raconte son expérience à de jeunes enfants. Voici son écrit. Quand j'avais votre âge, je jouais au lancer de poids au sein d'un club et je m'entraînais pour une épreuve de sélection. Un jour, j'ai été renversé par une voiture. Par malheur, je ne suis pas parvenu à remarcher. J'étais très triste et je ne voulais plus entendre parler de sport. Mais mon médecin et mon entraîneur m'ont parlé du handisport,
sport pour personnes en situation de handicap, et encouragé à reprendre l'entraînement. D'abord, c'était difficile au début. Ensuite, chaque jour représentait un combat pour améliorer mes lancers de poids et ma maîtrise du fauteuil roulant. Enfin, j'ai repris ma confiance en moi et j'ai fait des progrès. Ce qui m'a donné beaucoup de motivation, c'est la réussite d'athlètes marocains au niveau national et international, malgré leur handicap comme Amin Chentouf, Najwa Awan, Azdin Nouiri. Avec beaucoup d'entraînement et de courage, j'ai réussi à mon tour au lancer de poids et au basket. J'ai remporté des médailles, fait un record du monde et représenté mon pays dans les différents Jeux paralympiques. Unité 6. Les Jeux et les sports. Handisport et partage d'expériences. Semaine 30 et 31. Au cours d'une fête sportive, un champion marocain aux Jeux paralympiques raconte son expérience à de jeunes enfants. Voici son écrit. Quand j'avais votre âge, je jouais au lancer de poids au sein d'un club et je m'entraînais pour une épreuve de sélection. Un jour, j'ai été renversé par une voiture. Par malheur, je ne suis pas parvenu à remarcher. J'étais très triste et je ne voulais plus entendre parler de sport. Mais mon médecin et mon entraîneur m'ont parlé du handisport, sport pour personnes en situation de handicap, et encouragé à reprendre l'entraînement. D'abord, c'était difficile au début. Ensuite, chaque jour représentait un combat pour améliorer mes lancers de poids et ma maîtrise du fauteuil roulant. Enfin, j'ai repris ma confiance en moi et j'ai fait des progrès. Ce qui m'a donné beaucoup de motivation, c'est la réussite d'athlètes marocains au niveau national et international, malgré leur handicap comme Amin Chentouf, Najwa Awan, Azdin Nouiri. Avec beaucoup d'entraînement et de courage, j'ai réussi à mon tour au lancer de poids et au basket. J'ai remporté des médailles, fait un record du monde et représenté mon pays dans les différents Jeux paralympiques.